quoi? Ça ne va donc pas? Mais si, mais je suis fatigué, voilà tout. Après 11 heures de lit? Ça vaut pas 6 heures de sommeil, hein. S'il est permis de se mettre dans des états pareils. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez, Jérôme? Rien. Bah alors, qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Oh, Ernest, tu t'éreintes, mon garçon. Hein? Comment? Tu me fais de la peine. Bah, mais, voulez-vous me ficher la paix? Qui c'est qui vous demande quelque chose, là? Eh oh, 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 j'ai pas besoin que tu me demandes, hein. Je te le dis, tu me fais de la peine. Eh bien, tant mieux. A-t-on jamais vu? Oh, je te demande pardon, hein. C'est un vieux domestique de la famille. Il est plutôt familier? Oui, puisqu'il est comme de la famille. C'est mon oncle de lait. Ton oncle de lait? Oui, autrement dit, c'est sa mère qui a nourri papa. On est parents par le lait. C'est égal, ça fait juste un drôle de façon de l'entendre te tutoyer, et toi de lui dire vous. Que veux-tu? Il m'a vu naître et pas moi, hein. Oh, Christine, est-ce que je suis fatiguée, moi? Oh. Ah, décidément, mon pauvre Ernest, tu ne détiens pas le record. Je n'ai jamais posé pour le champion de France non plus. Tu fais aussi bien. Oh, on dirait que ça tombe mieux quand je t'embrasse. Non, mais non. Voilà, déjà. Mais non, mais enfin... repos. Ah, c'est bien ça, les hommes, ils sont gentils que la veille. Ou le surlendemain. C'est gentil ce que tu as là. C'est le portrait d'une propriété à toi? Ça, mais c'est le Capitole. Le Capitole? Ah, c'est donc ça, le Capitole? Tiens, c'est drôle. Et qu'est-ce que tu trouves de drôle à ça? Oh, rien. C'est à cause de Schmitz-Meyer. Tu sais, Schmitz-Meyer? Ah oui, oui, oui. Eh bien, il m'ennuie toujours, il veut absolument... Je ne sais pas pourquoi il s'est fourré ça dans la tête, que j'ai sauvé le Capitole. Toi? C'est pas vrai, tu sais. Je l'ai pas sauvé du tout. Je le connais même pas. Alors? Ben alors? Eh bien non, il n'en dévore pas. Il dit que je devrais me porter pour la médaille du sauvetage. Hein? Crois-tu qu'il en tient une couche? Oui, oui, et toi, non, crois-tu? Ouh, chérie! Non, encore? Non, 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 non! Par pitié, madame, je vous en prie! Eh bien, qu'est-ce qu'il a? Ce que j'ai? Regardez-moi cette mine! Ah, mais je vous flanque à la porte, moi, vous savez! Ça m'est égal, je ne m'en irai pas! Mais... tiens, tu vas voir ça, bon, là. On va te faire du bien. Allez. Bois. Non. Ah, Ernest, ne commence pas. Oh, il m'en faut une patience. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du coca. Du quoi? Du coca. Du vin de coca. C'est une sorte de gingembre. Regardez-le, madame. De grâce, ce n'est qu'un enfant. Il n'a que 32 ans. Il n'est pas comme moi. Qu'est-ce que vous racontez, Mme Touba, là? Rien, rien. Oui, nous avons des secrets ensemble. Voilà, ça ne te regarde pas. Je vous demande pardon, hein. Il est venu personne pour moi? Ah si, d'abord t'as nommé Plu Plu. Plu Plu est venu? Oui, Ernest, elle voulait absolument te voir. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Bah que tu étais avec ta mère. Alors, comme elle voulait t'attendre? Bah je lui ai dit que, généralement, quand tu étais avec ta mère, tu en avais pour 3 ou 4 jours. Vous avez bien fait, hein? Merci. Si nous nous étions trouvés nez à nez... Mmh. Oui. Ah, il est venu Monsieur Mondor aussi. Mondor? Attendez donc. Mondor, Mondor. Non, non, tu le connais pas. Il a passé l'âge, ouais. Oh. Ouais, c'est un marchand d'antiquité qui a son magasin en appartement, sur le même palier que moi. Alors, quand il a une occasion, comme voisin... Ah! C'est Libaro! Libaro que je voulais dire! Un espagnol, Libaro! Je savais bien que je connaissais un nom de fromage! Ah non, non! Ouais, mais non! Non, mais c'est pas le même, non, non! Et qu'est-ce qu'il voulait, le dit Libaro? Le dit Mondor?
Tu m'embrouilles, toi, dans tes fromages. Bon, il m'a dit de te dire qu'il avait une nouvelle acquisition à te montrer. Une pièce rare, une ceinture de chasteté du 14e. Oh. Du 14e quoi? Elle est mignonne. Le sais-je, du 14e cocu, probablement. Mais non, siècle. Et c'est tout? C'est tout. Oh, j'en peux plus. Ça fait déjà pas mal. Oh. T'as entendu? Ça a sonné? Attends, je vais ouvrir. Je n'avais pas l'intention d'y aller de toute façon. Hein. Si c'est une dame, je n'y suis pas. Hein. T'as pas besoin de me le dire. Non.